On appelle ça une montre fitness intelligente. Et comme son nom l'indique, c'est une montre, c'est-à-dire qu'elle donne l'heure, elle est fitness, nous y reviendrons, et elle est intelligente, c'est-à-dire qu'elle permet de traquer votre activité. Alors non, il n'y a pas que l'Apple Watch dans la vie, la Fitbit Blaze, c'est le test tech de la semaine. Nous connaissions les bracelets Fitbit pas très interactifs au final, nous avons désormais une montre et la Fitbit Blaze en est une. La première chose que l'on remarque, c'est en effet son look, très simple, sans prétention. Un design pareil rend l'objet facile à porter tous les jours. Elle est en revanche très légère et très plastique. Cela va nous servir pour l'utiliser comme tracker, mais comme montre, ça fait quand même un peu gadget. Mais la vraie valeur ajoutée de la Fitbit Blaze, c'est son côté tracker d'activité et nous avons voulu la tester sous la pluie. En fait, la légèreté de l'objet prend sens, on n'est pas du tout gêné pendant l'effort. Fitbit propose de traquer tout type d'activité, tapis de course, musculation ou jogging. Au final, ça fonctionne bien, on a les calories, la distance parcourue, c'est très bien fait. En revanche, il y a parfois des temps de latence, l'écran tactile manque clairement de fluidité, ce qui est un peu gênant quand on court et quand on essaye de rester concentré sur son souffle. Aussi, on a l'impression que le tracker ne détecte pas l'intensité de l'effort, mais qu'il évalue simplement les calories perdues à partir d'une valeur standard. C'est peut-être pas le cas, mais 20 minutes de gym à forte intensité équivaut à 20 minutes de gym de salon, et c'est un peu bizarre. La Fitbit Blaze est un bon, vrai tracker d'activité pour les sportifs occasionnels. Elle permet notamment de progresser. En revanche, elle coûte 200 €, ce qui est un peu cher pour des composants assez basiques au final, notamment son écran LCD.